Nous arrivons à la zone de contrôle d'identité. C'est la première zone de contrôle. Ça devrait aller, non? Je sais bien qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais ça m'angoisse quand même. Tu veux pas aller voir s'il n'y a pas de problème dans le wagon d'à côté? Ça me tracasse un peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah arrête, tu sais, il est généralement assez irritable avant une mission. J'ai peur qu'il fiche la trouille aux autres passagers. T'inquiète pas. S'il te plaît, Cloud, tu veux bien me rendre ce service? Je reviens tout de suite. Je te remercie. Et maintenant, vous continuez à les soutenir. Il y en a plus que marre. Avalanche est une plaie. Hein? Ah, à cause de leurs menaces, tous nos services sont désordonnés. Les gens sont complètement affolés. Mais je me battrai. Non, c'est tous les employés qui se battront. Les réacteurs continueront de tourner. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? S'il y a un problème, je vais te dire un truc. Non, ça va. Vous n'avez rien à redire, pas vrai? Je suis un employé de la Shinra, votre ennemi. C'est pas le moment. On va protéger tout le monde. S'il vous plaît.
dans ce cas, je m'occupe de ça. À mon tour. Monsieur le soldat. Laisse tomber. Hein? La gare sera sûrement encerclée. Il faut qu'on saute. T'es malade? Suffit de faire freiner le train. Alors on passe au plan E de Biggs. Passer la phase de nettoyage. Oui! Cette vermine est tenace. Vous avez laissé le troisième en vie, j'espère. Il est pris au piège. Laissez-le rejoindre les deux autres. Bien, à vos ordres. Ouais.
peut-être l'aider. On y va. Directement au réacteur Mako à partir de la gare. Maintenant, on n'est plus en position de faire ça. Mais c'est pas grave. On avait prévu plein d'autres plans au cas où. Suivant la distance au réacteur, on a le B, C, D, etc. Ça va jusqu'où comme ça? Jusqu'à peu. Comme etc. Ah on a de la veine. On a pris la ligne du secteur 4. Elle relie le pilier principal au plateau du secteur 4. Et là, on est à côté, sur la ligne du réacteur numéro 5. On va commencer par suivre la voie en direction du réacteur. Mais attention, on ne va pas jusqu'à la gare. On va bifurquer en cours de route. Les gares des réacteurs sont trop risquées. Je suis sûr qu'elles vont grouiller de gardes Shinra dans tous les coins. C'est par là-bas. Nos camarades du secteur 5 ont marqué le chemin. On risque pas de se perdre. On y arrivera, j'en suis sûr. Mon intuition ne me trompe jamais! Oui, nous avons déjà commencé l'opération. C'est un peu plus tôt que prévu, mais la situation est sous contrôle. Bien sûr, tout se passera comme vous l'avez ordonné, Président. Oui. Faites-moi confiance. Merci. Excusez-moi. D'après le dernier rapport, l'analyse des données avance à un bon rythme. Cependant, les pertes sont plus importantes que prévues. Nous craignons que... Mais à quoi êtes-vous donc payé, bande d'incapables? À vous lamenter inlassablement sur le passé? Hein? Il y a des pertes. Qu'est-ce que ça peut me faire? Il faut savoir sacrifier ses pions, parfois. Si vous n'en avez plus assez, vous n'avez qu'à en faire venir autant que nécessaire du secteur 3. Ça vous fatiguerait de faire preuve d'un peu de chuchote de temps en temps? Hein? Compris. C'est dur de travailler avec des subordonnés incapables. Sur ce point, on peut dire que le Président est très chanceux. Il peut compter sur moi pour exécuter ses ordres. Le chemin est indiqué par le chien de la Shinra. Regardez bien les murs. Le chien? C'est un peu ta mascotte. Son museau indique la direction à suivre pour aller jusqu'au réacteur numéro 5. Regardez aussi les feux de signalisation. Il faut qu'on avance dans le sens des feux bleus. N'est pas nous faire chier! On y va! Tu nous échapperas pas! Donnez-moi la peine de te relever! Fini pour toi. Le réacteur est dans la direction des feux bleus. Biggs nous attend en haut. Il était censé avoir l'aide de Jesse, alors il doit en baver tout seul.
Dépêchons-nous de le rejoindre. Voilà. Reste plus qu'à se fier à sa truffe. La direction du museau de Stamp indique le chemin à prendre. Il suffit de suivre les graffitis. Reste en retrait. Tu veux récolter toute la gloire ? C'était trop gagné d'avance. C'est pas un jeu, tu sais. C'est quoi ça? Je trouve ça dégoûtant. Regardez, on dirait des sortes de lits. Ouais. Les créatures qui vivent dans le plateau ont l'air de subir les effets de la Mako. C'est à cause de la Mako. Ouais. C'est plutôt à cause de la Shinra. Hein? C'est bien sûr dégoûtant! J'arrive! C'est fini! J'arrive!
pas Dieu. Prends ça. Un autre chien. On continue en direction de Saint-Truffe. Il est vraiment bien dessiné. Ouais. Son petit air de toutou fidèle me donne envie de gerber. Regardez. On dirait bien que la Shinra essaie de se débarrasser de cette créature. Eh ben, ils n'ont pas l'air très motivés. Merde. Pourquoi il fallait que ça tombe sur nous? En plus, il en reviendra forcément d'autres. Faisons ce que nous pouvons et barrons-nous. Oh, par où ils vont arriver? Ce sont les terroristes qui ont besoin d'y aller. Nouveau rapport sur Avalanche. Les données de combat sont maintenant suffisantes. Combien de fois va-t-il falloir que je répète? Ces rapports n'ont absolument aucun intérêt. Comment dire? Vous avez déjà oublié la guerre contre le Wutai? En sous-estimant notre ennemi, vous risquez de ternir l'image de la Shinra. Les insouciants qui osent s'en prendre à nous doivent être exterminés jusqu'au dernier. N'est-ce pas de cette façon-là que nous avons toujours procédé? Mais... pourtant... Oh... Je commence à avoir l'impression que toi aussi, tu veux être démobilisé en même temps que ces deux bons arrières. Oh. Dans ces conditions, nous allons activer le prototype de la section E. Allez, dépêchez-vous! On dirait bien que je vais pouvoir ajouter un nouvel exploit à mon illustre carrière. Gars !
Putain, un autre dessin de ce foutu clébard. Même là, il m'appelle par le bout du nez. Je sais pas pourquoi, mais t'aimes vraiment pas ce temps de toi. Non, mais c'est pas après lui que j'en ai. Ce qui me débecte au plus haut point, c'est cette image de chien fidèle véhiculée au profit de la propagande de la Shinra. Le pauvre Stamp. Ça me rappelle un des livres de Marlène. L'histoire d'un type enfermé dans un immense labyrinthe. Il cherche une sortie, mais il tombe toujours sur un mur. Suffit de les casser. Tiens, tu dis la même chose que Barrett. Oublie ça. C'est quoi ton problème? Par ici. Il y a des gardes. C'est mieux sécurisé qu'on le pensait. Le dépôt de train est derrière eux. On va devoir s'en débarrasser. Ça!
Après le bureau d'analyse, des valeurs anormales ont été enregistrées. Après ça, nous avons perdu tout contact avec le prototype. Des valeurs anormales. J'espère que ce n'est pas une erreur de réglage de votre part. Non ! Le module d'analyse avait l'air de fonctionner correctement. La seule explication, c'est que les sujets ont largement dépassé nos estimations. Qui aurait cru ça? Les systèmes de surveillance du point E. Ils sont tous détruits. C'est le président. Allô? Oui. Il n'y a aucun problème. Au contraire, nous devrions obtenir des données intéressantes. Oui, j'en suis bien conscient. Nous savons où se dirigent les intrus. Si vous êtes sûr que vos réglages ne sont pas en cause, trouvez-moi vite les raisons de ces valeurs. Et si vous n'y arrivez pas? Je vous enverrai sur place pour évaluer vous-même leurs capacités. Très bien. Ne vous inquiétez pas. Vous savez que je suis plutôt gentil, non? Du moins avec les bons éléments. Le passage se trouve derrière les conteneurs. On va se faufiler. Oh merde, c'est...
vachement étroit. Ça va aller? Ouais, ça va. Vous avez affronté une machine comme ça quand vous vous êtes infiltré dans le réacteur numéro 1? Ouais, il y en avait une en forme de scorpion. Ah, tiens d'ailleurs, à quoi on pourrait comparer celle de tout à l'heure? Hein? Eh ben, je sais pas trop. Qu'est-ce que ça peut faire? Tout comme prévu. On descend avec ça. À partir de là, ça risque de se corser un petit peu. On va voir. Il n'y a plus qu'à traverser jusqu'au réacteur numéro 5. Ça a l'air plus difficile que je le pensais. Ça doit pas être bien compliqué. On voit le pilier du réacteur, là-bas. On fait comment? Après le plan E, on a F, G et H dans l'ordre. Ah, oh. Il y avait une suite, en fait. F, c'est le nom de cette section. Faut traverser la G pour pouvoir atteindre la H. La plateforme de la section H va nous amener près du réacteur. Biggs nous attend là-bas, normalement. Le soleil a commencé à se coucher, on dirait. Bon, allons-y. La Shinra va comprendre sa douleur. Bidonville est vraiment petit, vu d'ici. Tais-toi et avance. Le truc, c'est de ne pas regarder en bas. Vous avez le cœur bien accroché. Cette porte mène à la section G.